Mes chers camarades, bien le bonjour. Allez, avouez-le, vous avez cliqué sur ce lien juste pour voir du cul. C'est pas grave, hein, je commence à vous connaître. Puis bon, bah, je vous en veux pas, hein, c'est normal. En tout cas, il y en a un autre aussi qui aime le cul, c'est Laurent Turcot. Et oui, il aime bien en parler. C'est avec lui que j'avais fait la vidéo Sexe au Moyen-Âge d'ailleurs. Vu que la première vidéo vous a plu, eh bien on s'est dit qu'on allait remettre ça. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu, hein, puisqu'on a refait une vidéo sur sa chaîne sur l'homosexualité durant la Renaissance. Donc techniquement, c'est notre troisième collaboration autour du sexe. Et je tiens à dire que c'est toujours Laurent qui m'a proposé ces thématiques, hein. Moi j'y suis absolument pour rien. Hey, salut tout le monde, comment ça va? En fait, oui, voilà, c'est que ben, ce sujet s'est tiré de mon mémoire de maîtrise. Et j'avoue que je ne suis pas peu fier de dire que ma première contribution dans le monde universitaire, donc sérieux, enfin bon, c'est ce qu'on dit, il faudra en reparler, date de 2003 et avait pour titre « Sexe, débauche, orgie et parties fines chez les acteurs populaires du 18e siècle à Paris hein. ». Qu'est-ce que vous voulez? On ne se réforme pas. Non. Aujourd'hui, on va donc vous parler des pratiques sexuelles des acteurs de boulevard à Paris au 18e siècle. Et si ça se trouve, on va faire un petit B.A.B.A. des orgies ou des parties fines. Ou pas, à vous de voir, hein? Allez, c'est parti! Au XVIIIe siècle, c'est pas super cool d'être comédien. Dès qu'ils mettent le pied sur la scène, ils sont automatiquement excommuniés par la Sainte Église catholique. Et oui, car en France, et plus particulièrement à Paris, l'Église considère que celui dont la profession est de jouer un rôle, de faire semblant, en gros de mentir, est un être nocif pour la société. Pour résumer, on les met un peu sur le même pied d'égalité que les prostituées. Le comédien ne peut pas, en principe, se marier, faire enregistrer la naissance de ses enfants, ni recevoir la communion et l'extrême-onction, et par conséquent, se voir refuser le privilège d'être enterré dans un cimetière. Oui, je sais que ça peut paraître petit, là, mais à l'époque, c'est énorme! C'est quand même super lourd comme sanction, hein. Et un type comme Molière a lui aussi eu des problèmes avec ça. Le curé qui s'occupait de lui à sa mort a refusé de lui donner les derniers sacrements, et c'est seulement par l'intervention de Louis XIV lui-même, parce que Molière avait eu un impact non négligeable durant son vivant, qu'on autorisa son corps à reposer dans un cimetière. Et encore, hein, il a fallu transporter son corps de nuit et sans faire de cérémonie. Il ne faut pas déconner non plus. On va lever ces interdits dès que le comédien répudie sa vocation et abandonne son métier. L'excommunication en France entraîne également des sanctions civiles. L'infamie civile qui pèse sur le dos des comédiens est lourde. Ils n'ont pas le droit de se constituer en corporation, ce qui leur permettrait d'avoir certains droits devant la loi. La profession de comédien est donc laissée pour compte dans l'organisation administrative et religieuse de l'Ancien Régime. Et quand tu es mis de côté dans la société, tout de suite la réputation de dépravé ne tarde pas à venir. D'autant que parfois, bah, c'est assez vrai. Hein. À la fin du XVIIIe siècle, à Paris, deux auteurs vont s'atteler à la tâche de décrire et de tracher la vie des acteurs, et principalement ceux de boulevard. Le boulevard, c'est le boulevard du Temple. C'est le lieu où s'installent principalement les théâtres populaires. Ces deux auteurs, François-Marie Mailleur de Saint-Paul et le compère Mathieu, vont décrire avec le plus d'insistance ces dépravations sexuelles des acteurs populaires. Le premier auteur, Mailleur, va s'attacher à décrire, souvent avec une sensibilité très odorante et tactile, l'organisation des plaisirs collectifs et individuels, mais dans les limites permises pour un ouvrage qui ne se veut pas libertin, mais pamphlétaire. Il va donc évoquer les différents endroits où prennent place les débauches sexuelles des acteurs. Et c'est chez les traiteurs et les cafés que l'on organise les parties fines et les orgies. On engage alors des musiciennes qui chantent quelques couplets entraînants pour les jeunes oisons en quête de virilité. Donc, ben oui, voici quelques extraits. Vous êtes prêts? Allez! Déchargez votre pot de lait, la laitière charmante, et si la danse vous plaît, que le plaisir vous tente, j'ai mon violon tout prêt, oui, qui vous rendra contente. Vive le cabaret, en y buvant sa chopinette, sans façon sur un tabouret. On y baise sa Claudinette, et souvent, pour un quart d'écu, de l'une et l'autre, on voit le... Il affirme également que ces endroits sont des réceptacles de tribades et de sodomites.
Toujours selon Mayer, Talon, un acteur du célèbre directeur de théâtre Jean-Baptiste Nicolet, réalise ses fantasmes sodomites sur des petits garçons et Rivière, un autre acteur, fait fonctionner son sexe à voile et à vapeur, une image assez évocatrice. Pour enfoncer le clou, Mayer souligne que l'homosexualité féminine et masculine, considérée à cette époque comme une déviance, est répandue chez ses acteurs. Là où il y a plaisir, il y a acteur. Les relations entre acteurs et actrices du même théâtre sont fréquentes. Mayer décrit avec verve les relations sexuelles de ces derniers. Un exemple, allez, elle, Forêt, actrice de Nicolet, resta un an avec ce vieux débauché, un marquis quelconque, qui, dit-on, prenait tout son plaisir à caresser la jolie coquille avec la partie la plus élastique de sa bouche. Les thèmes qui sont utilisés pour les acteurs de Nicolet sont les mêmes pour ceux de Nicolas Médard Audineau, du Théâtre des Associés ou encore des Variétés. C'est sensiblement les mêmes choses que l'on va dire de tous les grands théâtres à l'époque. Théâtre de boulevard, bien sûr. À ne pas confondre avec la comédie italienne, comédie française et Académie royale de musique. Ça, c'est les théâtres privilégiés à l'époque. De l'orgie au concubinage, saluant au passage la tendance fortement répandue chez les directeurs de vérifier si telle ou telle actrice dansait aussi bien au lit qu'au théâtre, Mayer utilise les mêmes formules pour caractériser la vie sexuelle de cette profession. Le libertinage pourrait servir à décrire l'intégralité des arguments de l'auteur. La sodomie, l'homosexualité, les orgies et les relations particulières entre les artisans de la scène sont monnaie courante et ces thèmes servent de base à tout l'argumentaire de Mayer. Mais le texte le plus jouissif arrive, rassurez-vous! Publié en 1791, Les Pantins des Boulevards, d'un auteur nommé le compère Mathieu, dépasse la période étudiée. L'ouvrage est entièrement dédié aux mœurs sexuelles des acteurs. L'auteur utilise le style théâtral pour son pamphlet et pénètre très profondément à l'intérieur de ces bordels de Tali pour en décrire les multiples aventures sexuelles des acteurs. D'ailleurs, le sous-titre du livre, pour mieux vous le vendre, c'est « Confessions paillardes des tribades et catins des tréteaux du boulevard ». Ce qui donne quand même vachement envie de le lire. Dans cet ouvrage, il a cru bon d'imager ses dires en agrémentant son livre de quelques gravures pour le moins obscènes, on va dire. Prenons l'exemple de ce qu'on dit sur ceux qui composent la troupe de Nicolet, la plus connue et la plus populaire, pour comprendre la manière dont il conçoit la sexualité chez ses acteurs. Dans la gravure qui ouvre le chapitre sur Nicolet, on voit apparaître le titre suivant « Obscénité triviale des danseurs de cordes ». La gravure qui suit est loin d'être au-delà de tout soupçon. On peut même dire « c'est voilà, vous voyez tout ». Une légende nous fournit l'explication de ce qui est représenté. Ribier en habit de Golo, foutra Forest l'aîné en habit de Sophie de Brabant. Nicolet, dont elle est la maîtresse, en robe de chambre, les prend sur le fait. Et Mayer, en habit de paysan niais, la queue de ses cheveux haute et retroussée, semblera dire à Nicolet « Regarde, gros cochon, ta putain ferme et leste, en fameux coup de cul, n'étant jamais en reste. » Le style est vulgaire et trivial, volontairement agressif, Nicolet est le premier à passer au fil de l'épée du compère Mathieu. On assiste à la longue liste des maîtresses de Nicolet, Mathieu décrit également avec minutie les débauches de la femme de Nicolet, car elle attend de son amant qu'il glisse son index libertin dans son clitoris, de baiser avec ivresse toutes les parties de son corps, des torrents de foutre inondaient le théâtre de nos caresses lubriques, et nous nagions l'un et l'autre dans une mer de délices. Tout ça, me direz-vous, c'est de la diffamation, on n'a pas de réelles preuves que tout ça s'est réellement passé. Non? Non? Ben oui, il y en a. Pour ça, faut aller regarder dans les rapports de police, la police parisienne bien sûr, et c'est ce que j'ai fait. De 1752 à 1789, j'en ai dénombré une dizaine qui touchent aux mœurs sexuelles des acteurs populaires. Les relations, parfois conflictuelles, entre les directeurs et les acteurs et les actrices permettent à la police de jeter un œil sur la dimension sexuelle qui règne dans ces spectacles. D'ailleurs, il n'est pas rare de retrouver des filles qui viennent se plaindre chez le commissaire d'avoir été mises enceintes par les comédiens. Ces derniers, selon les dires des jeunes filles, ont abusé d'elles en promettant de se marier, truc assez classique au 18e siècle. On trouve aussi des arrestations de comédiens sous la rubrique générale de libertinage. Un exemple, samedi 24 juillet 1784, 9h30 du soir, Nicolas Tourain, acteur du spectacle de l'ambigu comique, arrêté par Martin Tellier, caporal à la réquisition de Thérèse Couvreur, sa mère, femme de Jean-Louis Tourain, concierge du dit spectacle pour libertinage et inconduite. Les contemporains parlent beaucoup des parties fines et des orgies auxquelles les acteurs s'adonnent et les informations sont souvent très générales dans les rapports de police. Sauf dans un.
dans un seul cas, la police constate de ses propres yeux les dépravations des acteurs. Elle est témoin d'une de ses parties de plaisir en collectivité, à l'intérieur même du théâtre. 8h30 du soir, Antoine Blanc, caporal d'activité au boulevard, à la réquisition du sieur Guyot, caissier du spectacle de l'Ambigu Comique, a arrêté les hommes Maillet et Gougy, danseurs du dit spectacle, pour indécence par eux commise et voie de fait exercée envers plusieurs de leurs camarades en les attachant sur une table et leur ont donné le fouet après les avoir déshabillés nus à l'hôtel de force. Ah ça, ils savaient s'amuser. Hein. Cette mise en scène digne du portier des Chartreux, le texte pornographique de l'époque, frappe l'imagination pour ceux en quête d'indices sur la vie sexuelle tant décriée. Les informations sont presque trop belles pour y croire. Qui sont ces Maillard et Gougy? Nul ne le sait. D'ailleurs, l'historien Émile Campardon, au 19e siècle, qui peut se vanter d'avoir daté la naissance et la mort de la plupart des acteurs de boulevard, reste muet sur ces deux personnages. Ils sortent littéralement des profondeurs de l'enfer. Qui est Sodome? Qui est Gomorre? Mais toujours est-il que la seule pluie de soufre et de feu qui tombe sur ces deux individus est celle de la police qui les envoie en prison. Quand on lit ce genre de rapport, on peut être tenté de croire qu'il atteste des mœurs déréglées de l'époque. Hein. Et pourtant, nous l'avons dit, il n'y a qu'une seule trace de ce témoignage. On ne doit donc pas prendre ce document et en tirer des lois générales sur les comportements des comédiens à l'époque, hein, mais ça restait assez amusant à évoquer. De même, François-Marie Meilleur, dont nous avons parlé tout à l'heure, il est connu pour être un auteur particulièrement prolifique qui relaie sans état d'âme toutes les rumeurs de l'époque. Alors bien évidemment, ça peut être des rumeurs qui parfois puisent dans ce qui doit être vrai, hein, mais c'est des rumeurs quand même. Enfin bon, le bougre faisait aussi partie, hein, pendant pas mal de temps, des troupes de Jean-Baptiste Nicolet en tant qu'acteur, donc on se doute qu'il a dû voir des trucs. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode consacré une fois de plus au cul. On espère vraiment que ça vous a plu, je remercie bien évidemment Laurent Turcot de m'avoir accompagné sur cet épisode et d'avoir bossé pour retrouver ces rapports. Hey, merci Ben, à force de parler de sexe, les gens vont commencer à se dire qu'on est intéressé que par ça. Hein. Faudrait peut-être évoluer dans nos sujets, tu sais, passer du stade enfance à stade adolescent pour éventuellement devenir adulte. Éventuellement, pas tout de suite, éventuellement. Vous pouvez retrouver Laurent sur sa chaîne, hein, l'histoire nous le dira. Je vous mets le lien de notre dernière collaboration en description et à la fin de la vidéo en suggestion. On compte sur vos partages, vos pouces, vos commentaires. Abonnez-vous à nos deux chaînes si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de 2Q ou pas. Salut. Au revoir.